vous êtes en train de faire le maximum pour la conserver au moins cette deuxième place. Hein. Ouais, bah plutôt une bonne matinée. Bon, ce matin, il a fallu se mettre dans le rythme. On était un petit peu lent et les deux chronos d'après étaient vraiment très bien. De bonnes sensations dans la voiture. Écoute, on va essayer de continuer sur ce rythme. De toute façon, c'est clair que Johan est beaucoup trop loin et il imprime un rythme vraiment très élevé. Après, si on pouvait maintenir cette deuxième place, ça serait parfait. Voilà, parce que Quentin Gilbert a l'air d'être motivé et il n'est pas très très loin. Il y a 5 secondes environ sur les 3 épreuves chronométriques qu'il reste à couvrir. Ça va être un peu serré. Hein. Exactement, il a l'air motivé. Écoute, tu peux aller prendre la température, hein, lui demander si vraiment il a bloc, mais je pense qu'il est très motivé. Oui, oui, Benoît l'a confirmé tout à l'heure, hein, c'est son objectif. Bon ben, écoutez mon cher Brian, ça va être tout l'intérêt. Ah, très bien, pas de soucis particuliers, on essaye de continuer notre course, c'est pas évident, on a un petit peu d'avance, donc il faut savoir gérer un petit peu, mais bon, on va essayer de continuer comme ça, sans faire d'erreur, ce sera une belle course sur ça. Voilà, tout va bien au niveau de l'auto? Oui, parfait, pas de problème. Très bien, et eh bien écoutez, continuez de cette façon, hein. Je rappelle que Yann Bonato était déjà le vainqueur ici. Là. Bah super bien, comme depuis le début du rallye, on attaque sans se faire peur, on prend des risques mesurés, mais non, ça roule vraiment fort. Fais pas d'erreur, hein, j'ai rien à regretter pour l'instant, la voiture fonctionne super bien, je suis très content du setup. On n'a rien touché depuis le début du rallye, juste à me concentrer sur ce que je fais et attaquer et donner le maximum. Donc reste 5 secondes, on a une belle bagarre avec Brian, reste 3 spéciales, on va tout donner. Vous allez tout donner comme vous l'avez fait sur le rallye Urwerg, hein. Je rappelle que Quentin Gilbert...